Partager, connecter, partager. Bonjour, 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 bonjour. Je vois une première personne connectée déjà. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour à mes personnes. Toujours présentes. Ouais. Mes personnes. Merci beaucoup. Oui, comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Moi, ça va. Ça va. Les enfants de Rachel ONG, comment allez-vous? Kadi Diop, Idriss Endoy, oh, ça c'est ma personne, toujours présente. Huguette Yapo, comment vous allez? L'impacteuse va afficher quelqu'un aujourd'hui. J'avais déjà averti. J'avais averti, hein, partagé. J'avais averti que les injurieux, les tantantants là, d'arrêter, ou bien, ça dit, des commentaires. J'ai fait ma vidéo sur la neige là, vous souffrez de ça. Et vous venez avec des commentaires. Aujourd'hui, je vais t'afficher, ma chérie. Je vais t'afficher, puis être traité. Ben, je vous ai déjà donné avertissement. Je vous ai dit que les injures, les quoi, là, je mange sur la tête de quelqu'un ici au Canada chaque 2 semaines. Son nom tombe dans mon compte. Je vous ai déjà donné avertissement. Mais ça n'a pas suffi. Vous comprenez? Ça n'a pas suffi. Toi qui allais sur. Attends. Partagez. Partagez. Parce que maman, la tablette qui est dans ma main là, je t'affiche ici. Et puis je te traite. Quand il a fini de te traiter là, et puis il est rentré dans le vif du sujet. Vous croyez que moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour ça dire que pour faire du fla-fla, comment on a. Attends. Je ne suis pas pressée. Bonjour. Hey, Wade Nyepa, comment vas-tu? Je vais t'afficher, ma chérie. Merci. Qui c'est Anita Zoko? J'ai 2, mais je vais afficher une aujourd'hui pour donner un signal fort. Quand il va t'afficher ici, et puis toi qui vas afficher, tu es au Canada. Je vais mettre la honte sur toi. Quand il va mettre cette honte sur toi là, la prochaine fois, quand tu vas voir, ça dit que les pages des gens, tu as derrière tes yeux, ou bien quand tu as posé commentaire. Quand tu habites à Laval et tu fais malin. Tu connais la ville de Laval? C'est la ville où vivent mes filles. Donc respectez les gens. Tu connais la ville de Laval? Toi, tu es au Canada, tu vas venir comparer ta vie à ma vie. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour faire les fla-fla. C'est ce que je vous ai dit. Vous comprenez? Vous croyez que je suis mouton? Chaque 2 semaines, j'allais payer les human hair, les mèches humaines pour mettre sur ma tête. Chaque 2 semaines, j'allais changer habit. Maman, je ne suis pas là pour ça. Je cherche à payer mon deuxième immeuble au Canada. C'est ça qui est la vérité? Moi, je cherche à payer ma deuxième maison au Canada. Dans 5 ans, j'ai payé ma maison en Floride. Voici mes projets. Donc, de venir chaque 2 semaines, ou bien chaque fois que je fais une vidéo, j'ai changé habit, j'ai fait ça pour vous faire plaisir. Cheveux durs là, je vais mettre ça toujours sur ma tête. J'ai dit que j'ai cheveux durs sur ma tête. Je porte même ma vie sur les réseaux sociaux. Mais votre vie là, vous nagez encore dans la prostitution. C'est ce qu'il a dit? C'est ça qui est la vérité? Hein? D'autres, vous cherchez encore des vieilles mères. Vous cherchez encore vos repères. C'est à quoi ça y est porté même ma vie là. Et puis si je vais faire vidéo. Voilà. Partagez, ils vont recevoir. Maman, si tu quittes là, tu vas plus insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Parce que je vais prendre, ça dit que je vais prendre ça, je vais te traiter. Je t'affiche ici, et puis je te traite. J'ai bien dit, hein. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Je vous avais dit. La partie du film là, je vous ai expliqué ça. Mais vous avez dit que tu as dit, tu as dit, tu te permets. Maman, je vais payer ma maison en Floride, Nampian, avec mon vieux mari. Mon coco taille, on va faire comment? Sur la plage là, je vais porter mon vieux maillot de bain, lui va porter sa culotte. Là-bas, on ne se moque pas du corps des gens. Quand on va avoir nos 60 ans là, on ne va pas se moquer de notre corps. On va pas, ça dit notre corps, notre physique là, on ne va pas se moquer. On nous voit comme des gens bien, tout et tout. Vrai, chez les blancs, on respecte les personnes âgées. Voilà, avec eau de javel, je vais te traiter, ma chérie. Surtout que tu es au Canada, je vous avais dit. Je vous avais dit, partagez. Je vous avais dit, hein. J'ai dit qu'ailleurs, on n'a qu'à m'insulter. Je passe là-dessus. Mais tu es au Canada. Tu es venu faire Django avec moi. Hein? Tu es au Canada, tu es venu faire Django avec l'impacteuse. Je vais te traiter. Maman, je vais t'afficher. Et puis dans ta communauté, là, quand tu vas quitter là, tu vas confirmer le code. Partagez d'abord. Partagez. Partagez. Voici une qui, la dernière fois, qui insulte gratuitement ma nièce sur sa page. Elle l'insulte tellement jusqu'à aller insulter son intimité. Ma nièce m'a envoyé le tout. Je dis, donne-moi, je vais lui envoyer un message.
On envoie un message, elle se confond en excuse. Ah ouais? Vous insultez les gens sur leur page. J'ai fait ma vidéo sur la neige là. Ouais, c'est qui vous énerve dedans? Pourquoi vous souffrez tant? Mais j'ai crié dedans. Là où vous êtes là, votre cœur bat, hein? C'est qui on va afficher? C'est ça, hein? Hein? Vous êtes, votre cœur en train de battre parce que vous avez été nombreux là-bas à m'insulter gratuitement. Pour une vidéo que j'ai fait pour expliquer le système de dénègrement de temps, actuellement, votre cœur bat, vous qui êtes au Canada. Vous, le cœur bat, allez là. Mais je vais t'afficher. Hein? Ça ici, elle ne fait pas ça là. Léa, on ne t'apprendra. Ailleurs là. Vous êtes en France, partout. Ailleurs là. Tu as pris le modèle du haut là. Merci. J'en ai beaucoup. Mmh, j'ai cousu, on m'a fait coûte beaucoup à bien qu'on m'a envoyé. Mmh? Mmh. Viens. Partagez. Profitez déjà pour partager. Partagez, pas, je vais l'afficher. Mmh. Je vais l'afficher. Où elle est même? Attends. Ah, ah. Yabé. Maman, tu n'as pas me dit que. Je vais t'afficher, oh. Voilà. Elle est ici. Voilà. La voilà qui est ici. Je vais bien. Parce que ton nom là, je vais le prononcer. Je vais bien le prononcer pour ne pas qu'on se donne. Toi, Kemi Adekoya, te voilà qui est là. Toi, je t'affiche ici, ma chérie. Je t'affiche, c'est la dernière fois que je te vois sur ma page. Ça dit que je t'ai laissé sur ma page. Je te laisse là-bas pour que toi-même tu quittes ma page. Désormais, ça va être comme ça. Je te mets ici, ma chérie. Attends, je vais bien l'approcher. Voici ton nom qui est là. Hmm? Te voilà qui est là. Quand je suis au Canada, gna 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 gna. Je te mets ici. Voilà. Je te. Attends, bonjour Monique, nous avons décidé. Thomas, ok, d'accord, Thomas va être là lundi. Ok, je vais vous rappeler. C'est ça. Comment elle s'appelle? Kemi Adekoya. Je te mets ici. Partagez, elle va recevoir. Partagez ça massivement. Hmm? Parce qu'on vous respecte, mais vous ne voulez pas ça. Voilà, j'ai trié dedans, hein. J'ai pris deux, j'ai pris, ça dit qu'il y a deux qui ont, comment on appelle ça, qui ont, ça dit qu'ils ont pris à la maison, mais toi aujourd'hui c'est ton tour. Kemi Adekoya, maman, je vous avais donné un avertissement clair, hein, ton visage qui est plat, on dirait une assiette qui est tombée là, hein, c'est quoi là, je suis, hein, quand tu viens m'insulter là, je te donne l'ascenseur, vous avez compris? Quand tu reviens, tu viens m'attaquer. Tu m'attaques pourquoi? Hein? Kemi Adekoya, je veux savoir pourquoi tu m'attaques. Tu vis au Canada, c'est moi qui ai payé ton transport et puis tu es venu au Canada. Je n'ai pas payé ton transport, pas en tout. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé au Canada. Tu ne me connais ni d'Adam, ni d'Ève. Même Kemi Adekoya, là, tu n'es. Ça dit que toi et moi, on ne va jamais se croiser. Même Abidjan, un mugi. Je ne te connais pas, maman. Est-ce que je te connais? Écrivez son nom, Kemi Adekoya. Mes personnes, écrivez son nom là. Hein? Vous dites que vous êtes mes personnes. Vous êtes là-bas, je fais les postes, on m'attaque gratuitement. Pourquoi vous m'attaquez? Hein? Kemi Adekoya, tu me connais où? Aïe, Gona ou Bani, ça dit, nos routes ne vont jamais se croiser. Et puis tu viens sur ma page pour me laisser des sales commentaires. Hein? Est-ce que notre route va se croiser? Maman, tu n'es pas Djoula, tu n'es pas Bété, tu n'es pas Baoulé, tu n'es pas Guéré, tu ne fais aucune partie, ça dit, d'une ethnie en Côte d'Ivoire. Donc, c'est que toi et moi, notre route ne va pas se croiser. Je suis une panafricaniste, c'est pour ça que je prends, quand je parle de toute l'Afrique. Donc, tu viens m'attaquer, sur quoi tu viens m'attaquer? Hein? Tu viens m'attaquer pourquoi? J'ai montré la neige. Toi, tu habites à Candiac. Tu vas te comparer. Ça dit, moi, viens voir à Candiac. Attends, j'étais en train de faire publicité d'une ville. J'ai dit que méfiez-vous, vous qui êtes au Canada. J'ai dit que je vous ai déjà donné un avertissement clair. Kemi Adekoya, mais personne n'écrivait son nom ici. C'est pas possible. Il y a quel problème avec vous? Quand tu étais en Afrique là-bas, là, quand on te parle du Canada, là, tu ne rêvais pas? J'ai dit que c'est vous là, ça dit que c'est vous-même, j'ai des problèmes ici. Ça dit, quand vous êtes au Canada, quand on parle du Canada, vous dites que il y a quoi au Canada, mais il y a quoi au Canada, tu fais quoi ici? Je vous ai déjà posé cette question là. Mariam Dosso, Patrick à Pacoquel, je vous ai déjà posé quelques questions. C'est pas forcé, ma chérie. Hein? Kemi Adekoya, je te réaffiche ici. Je t'affiche pour que tu quittes
quitte ma page de toi-même. Madame Candiac, et tu oses dire que non, tu habites Laval. J'habite Laval et puis? Mais Laval, c'est là-bas mes enfants habitent. Donc tu viens dénigrer Laval là, c'est pas taper sur internet pour voir la ville de Laval. J'ai dit que vous souffrez dans votre chair. Maman, je fais 15 minutes sur ta personne. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Voilà, on est en train de me dire que tu es une Camerounaise. Tu vis au Cameroun, tu as sa vie, tu es Camerounaise. Je parle mes affaires. Tu viens, tu m'insultes gratuitement. Hein? Kemi Adekoya. Hein? Adekoya, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Vous attaquez souvent des gens quand on rentre. Moi, quand vous m'attaquez, ça dit, il y a des personnes, quand ils m'attaquent, je leur envoie un petit message. Quand ils voient ça maintenant, ils trahissent. Non, excuse-moi. Quand c'était comme ça, vous attaquez gratuitement les gens. Quand je fais une vidéo, il y a toujours un message que je passe. C'est pas toi la blogueuse. Toi, tu as ton travail. Tu vis dans ton château à comment on appelle ça, à Candiac, mais c'est ton problème. Tu crois que je connais pas la ville de Candiac? Je connais très bien Candiac. Candiac, il y a des maisons en vente à Candiac. Il y a des gens qui vivent dans les Laurentides, comme ça dit de superbes maisons qu'à Candiac. Donc, de quoi est-ce que tu viens me parler? Je vous ai dit, j'ai mon expérience au Canada. Donc, méfiez-vous. Maman, j'ai traîné ma bosse au Canada dans les jossies, dans les trucs, dans les renseignements, tout. Je vous ai déjà dit ça. Aujourd'hui, là, je laisse un peu comme ça. Tu as compris? Kemi Adekoya. Je ne vais pas afficher quelqu'un qui habite en Europe ou bien en Côte d'Ivoire ou bien quoi. Non. Désormais, tu habites au Canada. Je vois des milliers de trucs sur les réseaux sociaux, sur un post que je fais. Mais j'ai dit que ce que vous oubliez, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Je laisse comme ça. Mais vous qui êtes au Canada, vous, je peux faire ma sauce avec vous. Je vous ai déjà dit. Le monsieur qui m'a attaqué en inbox là, jusqu'aujourd'hui, je mange son argent. Tu comprends? Mais toi, je viens te donner un avertissement. Et ça, c'est un signal clair que je donne à ceux qui sont... Parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, hein. Mon gros problème, c'est ceux qui sont ici. Elle fait comme si c'est elle qui vit au Canada, mais je suis... C'est moi la blogueuse. Avez-vous de la difficulté à comprendre ça? Vous avez la misère à comprendre? Il n'y a même pas Adekoya au Cameroun. Il n'y a pas Adekoya là-bas. Vous comprenez? Elle sait d'où elle vient. Elle visage plat, on dirait qu'ils se sont assis dessus là. Maman, je te dois un homme. Ça dit qu'un homme dit, je ne te connais pas. Il y a beaucoup de blogueurs sur la planète. Va là-bas, ma chérie. Je ne t'ai pas appelé ici. C'est en plus, c'est une petite fille, mais qui vient insulter les gens. Je te fais quoi? Hein? C'est la première et la dernière fois. Kemi Adekoya. Kemi Adekoya. C'est la première et la dernière fois. Voilà. Voyez bien son visage. La voilà qui est là. Ça, c'est un avant-goût. Je vous ai dit, il y a une semaine, j'ai dit que je vais ta. Ça dit que la personne qui m'emmène, je t'affiche. Tu habites dans ton château à Candiac. Moi, je suis à Blainville. Maman, je ne te dois pas au Nagaboka. Je n'ai pas ton crédit. Je porte les mêmes habits pour venir faire mes vidéos parce que je ne suis pas ici pour faire le fla-fla. Je porte les perruques dures parce que j'économise mon argent pour payer mon petit immeuble encore, deuxième maison au Canada. Je porte mes mêmes... Ça dit que je ne vais pas faire des... Je vais pas payer des make-up pour venir mettre sur mon visage, pour venir faire les directs parce que j'économise mon argent pour préparer l'avenir de mes enfants. Voici l'impacteuse, voici mon concept. Donc, les perruques dures là, habituez-vous à ça. Les mêmes habits là, habituez-vous à ça. Parce que je vais porter, et surtout les habits qu'on m'a envoyés là, vraiment celui-là, je l'aime bien. J'aime bien ça là, le bleu là, il me plaît bien. Donc, vous allez souvent me voir dans les mêmes habits. Parce que je prépare l'avenir de mes enfants. Parce que... Abidjan, là, mon terrain qui est là, je veux construire ça. Je vais terminer mes affaires à Abidjan pour que mon argent qui pleut ici chaque mois pour envoyer à ma mère et à ma belle-mère. Voici mes projets. Donc, ma chérie, c'est le dernier avertissement. À travers ça, je lance un signal fort à ceux qui sont au Canada. Pas ailleurs. Ailleurs, insultez-moi. I don't care.
Doesn't matter, c'est pas mon problème. Je m'en fous. Mais ici là, je vous avais dit, hein, c'est mon. Ici là, c'est mon territoire. Voilà. Montréal, c'est mon territoire. Ça chauffe pas. À tes bancs. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, mes personnes. Appelez la vidéo, il y a un sujet intéressant que je vais traiter. Voilà. Comment elle s'appelle? Marie Chou. Quand elle va voir ça, là, elle va confirmer le code. À travers ça, là, c'est un signal qu'elle donne aux autres. Voilà. Merci beaucoup. L'aigle voulant, ça arrive. Merci beaucoup. Souvent, on t'envoie beaucoup d'habits et puis il y a un dedans que tu aimes là. Je suis trop fan de celui-là. Bon, mes amis, je suis venue pour parler. Avant tout, bientôt ici au Canada. Ouais, c'est ça, j'allais laisser le sujet même vivre. Ici au Canada, bientôt, je vais même afficher ça. On va recevoir des vivres. On va recevoir des vivres, comment on dit ça, des vivriers africains. Ça va quitter de la Côte d'Ivoire pour arriver ici par conteneur. Merci beaucoup, Angela Koufour. Ça va, comment on appelle ça, à arriver ici par conteneur avec tout ce que vous voulez dedans. Donc, si vous êtes à Abidjan, tantôt quand je finis là, je vais afficher ça sur ma page. Oui, je vais afficher le comment on dit ça, la vivrier africain. Voilà, vivrier, voilà ça. Merci beaucoup. On appelle ça cargo group. Pour tous ceux qui sont à Montréal, aux environs, partout au Canada, bientôt, il y aura un conteneur qui va quitter Abidjan avec tous les vivres. On va appeler ça conteneur par groupage. Voilà. Tout ce que toi, tu aimes manger là, tu vas aller, tu achètes ça, ta famille achète ça, on va peser. Et puis quand on pèse là, on va envoyer ça au Canada. Voici ça qui est là. Tous les vivres. Merci beaucoup pour vous qui aimez le modèle. Merci. Donc voilà ça. Tantôt, je vais afficher ça sur ma page. Le contact va être là. Tout. Comment rejoindre le... C'est une compagnie très sérieuse. Vous savez, je n'aime pas trop faire les publicités. Mais c'est une compagnie très, très sérieuse qui a commencé ça. Ça va quitter d'Abidjan. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Mais actuellement, ils sont en train de lutter pour le poisson. Voilà. Faut être honnête. Ils sont en train de lutter pour le poisson. Ils ont déjà envoyé le poisson, mais comme là, c'est pas groupage, ils sont en train de voir. Donc, la dame responsable est en train de lutter pour que si on puisse envoyer les poissons, on enlève les têtes. Parce qu'il paraît que c'est dans les têtes là, le poisson commence à pourrir. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Ils vont envoyer ça sur Montréal. Je crois que ça va prendre 3 semaines à 1 mois pour que ça arrive ici. Je vais vous afficher ça à chaque vidéo que je vais faire. Je vais en parler. Ange, ok, je vais te répondre. Yetroumoun, je vais te répondre. Voilà. Je porte même ma bille, je porte tissage du, je prépare l'avenir de mes enfants. Je vais pas venir payer pour que tu sais, $250 chaque fois. Pourquoi on dit l'impacteuse est belle? L'impacteuse s'habille. Maman, il a dit, je suis la princesse de ma famille. C'est ce qu'il a dit. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Non, la viande, non. La viande, je crois que non. Ils acceptent la viande et le lait en poudre. Bon, je sais pas si c'est une question. C'est difficile de faire. Oui, c'est... Non, le poisson, oui. Le poisson, je sais. Mais comme là, c'est par conteneur de groupage, je sais que ça va pas être facile. Mais pour le poisson, ils sont en train de lutter. Dans tous les cas, je vais mettre le contact. Oui, c'est un bon business. Surtout pour nous qui sommes ici, là, c'est pas facile. Donc, c'est ça. Merci. Mais je vais... Le kilo, justement, les produits à 650 francs. Si vous voulez payer avec eux, voilà, ils font le kilo à 650 francs CFA. Je vais afficher ça tantôt sur ma page. Quand vous allez voir le lien, c'est pour des gens qui sont au Canada. Voilà, Montréal et ses environs, tout et tout. C'est ça. Poisson sans tête. Ah oui, poisson fumé avec du poisson sans tête. Ah oui, poisson fumé là. Moi, poisson fumé, la tête ne me dit rien. C'est le poisson frais, oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Poisson frais, oui, avec la tête, mais poisson fumé. Bon, un poisson comme brochet, quoi. Est-ce que sa tête, il y a quelque chose de bon dedans? Poisson, là, est chose.
Ok, d'accord, elle est nigériane. Pardon, Igor Omarik. Lui-même, là, il n'y a pas son fumé. Est-ce que lui a son fumé? Il n'y a pas son fumé. Igor Omarik, il n'y a pas son fumé. Il faut laisser ça. Ok, merci beaucoup. L'habit ne fait pas le moine. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Je vais afficher ça tantôt. Mes amis, vous savez que je vous aime, mes personnes. Moi, je suis là pour que les Africains, on soit heureux en Occident. Oui, les Africains, on soit bien vus. Je suis là aujourd'hui. Jeudi. Oh, oui, on est en train de me distraire. Igor, arrête, on arrête. poisson broché avec sauce grainerie locale. Ah là là. Mais broché, on peut aller la tête pour jeter. Moi, broché, quand il prépare, il allait la tête. Mes amis, partagez le direct. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est important. Je vous en prie. On a ri, on a fait un peu de guinzendi, tout et tout. Je suis là pour parler de l'assurance vie des Africains. Les Africains et l'assurance vie en Occident. Je vous en prie. Regardez pas les flafla de l'épateuse, la neige, tatata, pour m'envoyer des commentaires et puis après je vous bloque ou bien je viens vous afficher. Regardez pas ça. Parfois là, il y a des messages que je passe. S'il vous plaît, je suis là pour parler. L'importance d'une assurance vie. Ok, petit, oui, petit moitié de foutu. Oh my God. Bon, ok, dans tous les cas, je vais poser à quel. Et là encore, ils ont laissé six têtes de poisson là. Ils n'ont qu'à faire conteneur. Oui. Ok, oui, 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 oui. Le kilo à 650 francs CFA au pays là-bas. Nous qui sommes au Canada, selon ce qu'elle a dit, quand les parents ont pesé, puis les parents ont payé, puis ils ont envoyé, ils ont fait la pesée là. Ils ont fait la pesée là. Arrive, tu peux faire de telle sorte que arriver ici, toi tu payes. Il y a une dame ici qui est responsable du conteneur. Donc toi tu peux payer depuis ici. Donc si vous êtes à Trois-Rivières, vous êtes à Québec, vous êtes même à Ottawa, vous êtes, ça dit qu'aux alentours d'Abidjan, et que même si vous n'êtes même pas aux alentours d'Abidjan, que vous êtes loin, que vous saviez que bon, quand le confinement va finir, on peut circuler. Mais tu fais ton bon stock. Puis tu, ça dit, on t'envoie ça. Puis c'est parfait. Merci pour la tenue. Merci. Merci beaucoup, mes personnes. Ok, les amis, le sujet important. Voyez-vous, j'ai annoncé le sujet. Les gens ont commencé à descendre. Alors que le sujet est important, ce que je suis en train de dire. Mes personnes qui sont, vous qui êtes là, partagez. Mais souvent, il y a des sujets du cœur dont je veux parler. Mais bon, c'est pas grave. Même si vous n'êtes pas nombreux, partagez le direct. Vous étiez 500 tout de suite. Maintenant, là, ça diminue. C'est pas grave. Je suis là pour parler de l'assurance vie. Mes amis, l'assurance vie. Pourquoi c'est important pour nous les Africains, même pour... Vous avez vu les gens dont on est venu vivre chez eux, comment ils fonctionnent? Comment a fait de cotiser quand on fait des funérailles, tout et tout? Moi, j'appelle... J'ai dit que pour moi, ça devient de plus en plus humiliant. Oui, hein? On a notre côté de solidarité. Si tu es en deuil là, forcé, les Africains, on ne laisse pas quelqu'un qui est en deuil. Même si c'est 10 euros, même si c'est 20 dollars, les gens viennent toujours à ton secours. Mais je ne veux plus que tu es un Africain, tu vis en Occident, et puis ça dit que tu vis là, tu confies ton destin à tes amis, ou bien tu confies encore tes destins, ça dit ton destin aux gens qui sont en Afrique, qui souffrent là-bas déjà, ou bien c'est pas facile pour eux. On ne doit plus avoir le souci de cotiser pour un Africain qui décède en Occident. Mais pour éviter ça là, il y a des assurances vie que tu prends. Mais quand j'ai essayé d'analyser, j'ai compris que ça part du fait que la mort même était tabou pour l'Africain. Ça dit que le problème de la mort là, ça dit, je fais une vidéo et puis je fais un petit point où il dit, moi on m'enterre au Canada, il y a quelqu'un qui dit, aïe, donc toi tu es là, tu parles de la mort comme ça. Mais mon frère, ma soeur, on doit pouvoir être capable, ça dit que d'affronter la mort, ça dit qu'on doit pouvoir être capable d'en parler aisément. Vous comprenez? Ok, d'accord. Justine, Dion, après je vais bien lire ton message. Donc c'est ça. Parce que aujourd'hui, ça dit quand tu vis là, ça dit, moi il dit, mais quand tu vis là, tu coûtes moins cher même par rapport à quelqu'un qui est décédé.
Parce qu'aujourd'hui, enterrement en Occident, ce n'est pas de la blague. Même si on dit, on va t'incinérer, on va faire quoi, mais quand même là, il y a des petites funérailles dignes d'un être humain. Tout être humain a droit au moins à des petites funérailles qu'on doit organiser. Ça dit dans la dignité. Quand tu as vécu en Occident, on a vu comment tu as vécu. Et puis aujourd'hui, tu es couché là, on va faire cotisation sur toi. On va parler sur ton corps. J'ai dit que ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé au Canada. Donc, je ne veux pas que quelqu'un cotise pour moi. Mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé aux États-Unis. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé en France. Donc, pourquoi tu vis et puis tu ne planifies pas ta vie pour demain? Tu ne planifies pas, ça dit que l'avenir de tes enfants, quand tu ne seras pas là. Vous comprenez? Ce temps est passé maintenant où on va dire première veillée, deuxième veillée, jusqu'à on fait trois veillées. J'ai entendu parler en Italie, il y a un frère africain qui est décédé là-bas. Mon cousin me dit non, on s'en va à la veille. J'ai dit mais il y a un mois vous étiez là. Il dit non, deuxième veillée n'a rien donné, donc on s'en va dans troisième veillée. Mes amis, arrêtons ça. Ce monsieur avait les papiers. Lui qu'on a dit troisième veillée là. Mon frère, si tu as les papiers, quand tu travailles, partagez le direct, s'il vous plaît, mes personnes. Vous, je vois tout le monde me dit que c'est la vérité. Non, si le Seigneur dit qu'il y a du bon dans ce que je suis en train de dire là. Vous comprenez? La mort ne doit pas être un sujet tabou. Il y a des enfants qui meurent avant leurs parents. Donc, pourquoi la mort va être un sujet tabou? C'est vrai, on n'aurait pas souhaité qu'un enfant enterre son père. Ça, ça dit que moi, j'appelle ça l'inverse même de la vie. Mais ça existe pareil. Merci, merci Axel et Daniel. Ma pouponnette, merci d'avoir partagé. Vous comprenez? Mais non, on ne change pas. Nos parents qui avaient porté les vestes en cuir, quand, et puis ils sont venus sous les températures de 30 degrés en Afrique, là-bas, là. Ils ont fait ça quand ils étaient ici. Mais pourquoi nous, on n'essaie pas de changer? Et il y a des gens, si tu n'as pas de papier, même, je peux comprendre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, tu n'as pas les baisses, tu décèdes. Et des gens insistent, non, on doit envoyer son corps, SOS. Si tu n'as pas les baisses, là, en Trinabawagimazo, ça veut dire que où tu es mort, c'est là, en t'enterre. C'est ce qu'il a dit dans mon dialecte. Mais toi, tu n'avais pas les papiers. Si tu vis là-bas, tu n'as pas de papiers, mais est-ce que la terre refuse le corps? Il n'y a pas une terre qui refuse le corps. Même au Canada, ici, là, il y a cimetière gratuit ici, à Laval. Dans la ville de Laval, là-bas, il y a cimetière gratuit. Donc, pourquoi on va dire que non, forcé, on doit en ramener son corps. Je ne cotise pas pour ça. Les pasteurs ne cotisent pour ramener le corps de personne. C'est ce qu'il a dit. J'ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos. Mais tu es ma personne. Tu es une personne, je connais tout et tout. Tu es dans le deuil, ben je viens te soutenir. Ça, c'est clair. Ça, c'est la loi de la vie. On soutient des gens qui sont dans le deuil. Mais pour dire que on va, c'est quand je ne veux pas entendre là. C'est après le troisième veille, pour qu'on va réunir l'argent, on va emmener le corps au pays. Moi, je suis contre ce concept-là. Si on doit ramener ton corps, c'est que tu as déjà tout planifié. Pendant que tu travailles, tu as fait des assurances, tout et tout. Ça coûte pas cher, bon sang. Ça coûte pas cher. C'est des affaires de, ici au Canada, les assurances vie, c'est des affaires de maximum 50 dollars. Moi, les assurances vie, moi, je fais maximum. Peut-être si tu prends plusieurs, d'accord. Mais sinon, une seule assurance vie, là, tu prends, nous, tu prenons les assurances hypothèques, là. Ben, le maximum que tu payes souvent, c'est 40 dollars, 50 dollars. Voyez-vous? Merci beaucoup, Abraham, oui, Ibrahim. Vous comprenez? C'est ça. C'est ce qu'on prend. Et puis bon, demain, tu décèdes, on touche du bois, mais au moins, ça peut couvrir les frais funéraires. Si tu veux qu'on ramène ton corps en Afrique, à un cercueil dernier trio, ils n'ont qu'à manger, chier là-bas, quand ils vont gaspiller tout et tout, au moins, tu auras sécurisé ça. Vous comprenez? Quand les enfants sont petits, c'est bon de prendre des assurances vie. Parce que les enfants sont encore mineurs. Ils s'en vont à l'école. Demain, là, un d'entre vous meurt, là. Un d'entre vous douffe, là. Au moins, là, les assurances vie. Au Canada, il y a des assurances vie qu'on prend de 250 à 300 000 dollars. Donc, ça peut t'aider à la personne qui est là à scolariser les enfants. Oui, on sait que l'être cher n'est plus, papa n'est plus là, maman n'est plus là. Mais quand les enfants n'ont plus leur activité qu'ils font, ils vont plus sentir. Donc, oui, papa n'est plus là, mais on peut mener un semblant de vie comme si tout était toujours là. C'est toi le père, ta présence qui doit nous manquer, ou bien la mère.
Oui, faites des assurances vie pour que demain, si vous n'êtes pas là, là, c'est votre présence seulement qui va manquer. Mes présences vont manquer, l'argent va manquer. Ça, c'est double souffrance. Notre vie est déjà compliquée, Africain. Notre vie est déjà compliquée. Donc, si on arrive en Occident et qu'on nous offre quelque chose, c'est pas mauvais de saisir ça. Ça coûte plus cher même. C'est ça. Vous comprenez? Ça coûte cher d'envoyer des corps au pays. Ça coûte cher d'envoyer. Chacun peut décider de si on envoie son corps. J'ai rien contre ça pas en tout. Mais si tu as décidé que tu as... Ça dit que pendant que tu es en bonne santé, tu es assis dans les cabarets là-bas, en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, partout, wherever, tu es assis dans les cabarets et puis tu dis, moi, on ramène mon corps au pays. Attends, on ramène ton corps au pays. Yemeni Zouba, tu as gardé l'argent? C'est la question, c'est ce que je suis venu dire ici. Vous comprenez? Chacun est libre. J'ai dit que moi, je ne veux pas qu'on m'oublie dans les forêts de mon village. C'est pour ça que j'ai dit que moi, c'est ici, on m'enterre. Où on nettoie les cimetières? C'est là, moi, j'ai dit, on va m'enterrer. Par exemple, en Afrique, hein, où on cherche les tombes, les herbes ont poussé là-bas, tout et tout. Jusqu'à aujourd'hui, même, on ne reconnaît plus la tombe de mon père là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est la vérité. Harry Megan, comment vas-tu, ma chérie? Je te vois. C'est ça, les herbes vont pousser, mes enfants vont venir. Ah non, on avait enterré maman à côté des tentes, on cherche les tombes. J'ai dit, je ne suis pas dedans, ici. C'est ce que j'ai dit. Vous comprenez? C'est le respect même qui va, ça dit que le respect de ton corps, tu es couché là, le respect de ton corps dans toute son entité, dans toute ta dimension, on va te respecter. Pas tu as déjà tout planifié. Tu as déjà tout planifié. Donc si vous êtes en Europe, partout vous voyez ma vidéo, pensez à cet aspect là. Faut pas dire que non, moi je m'avais fait ma retraite au pays. Qui te dit que tu vas arriver à la retraite? C'est écrit où que tu vas forcément arriver à la retraite. Donc toi, tu n'es pas dans leur affaire d'assurance vie là. Vous comprenez? Ce qui est bien dans ces affaires d'assurance, je dis oui, quand les enfants sont petits, ça coûte plus cher, tout et tout. Tu peux mettre beaucoup dessus, oui. Parce que bon, on veut sécuriser pour que demain, quand un n'est pas là, là. Un n'est pas là. Moi, c'est appelé un n'est pas là parmi vous deux là. Et puis, ça devient compliqué pour toi. Au Canada, on a un avantage encore. Quand l'un d'entre vous décède là, automatiquement, l'assurance hypothécaire paye toute la maison. Donc, si tu as déjà une assurance vie dessus, c'est bon. C'est-à-dire là, dès que l'un des conjoints décède là, automatiquement la maison est payée. Mais quand la maison est payée là, les dettes aussi, tout et tout. On va aller compter tes dettes, tout et tout. C'est pour ça qu'on vous demande de faire attention. Je vois où, des coins où on s'enorgueille des dettes, mais désolé là, nous qui avons des vies structurées, on fait attention aux dettes. Il faut faire très attention. Parce que oui, c'est vrai, tu as la maison, mais demain, si l'un d'entre vous n'est pas là, on couvre tout ça. Vous comprenez? On va couvrir tout ça, mais on va aller chercher ce que tu dois. Mais si ce que tu dois est trop par rapport à l'argent que tu vas recevoir, ben, tu auras perdu. Donc, il faut faire attention aussi aux dettes qu'on a. Lily Dubois, merci beaucoup. Tu as ce bon sujet-là. Je parle de ça souvent aussi. Donc, moi, j'encourage. Si tu as décidé pour aller t'enterrer à Zoukoubé dans mon village, c'est correct. On respecte ça. Si tu as décidé aussi que c'est dans la glace ici comme nous autres, c'est correct aussi. Mais qu'est-ce que tu as planifié? Quand les enfants commencent à grandir, vous voyez que les enfants commencent à être adultes, tout et tout là. Cette assurance qui était élevée là, qui vous coûtait cher, ben vous pouvez aller pour diminuer. Et puis vous prenez juste une assurance qui vous permet, on appelle ça assurance funéraire, qui vous permet, et puis là c'est plus beaucoup. Parce que les enfants sont déjà grands. Pour ne pas que ça dit que tu sois un fardeau pour ta famille. Faut pas que ne soyons pas un fardeau pour notre famille. Tu es décédé en Occident et c'est en Afrique là, on va supplier les gens, on va cotiser pour ramener l'argent ici pour qu'on puisse. Non, c'est trop compliqué. Les gens souffrent de ta disparition. Donc faut pas encore mettre une double souffrance sur eux.
ces assurances-là deviennent de plus en plus chères. Quand on vieillit, les assurances deviennent de plus en plus chères. Donc, c'est pour ça qu'il faut, ça veut dire qu'il faut aider les enfants pour que les enfants puissent être bien insérés. Quand les enfants sont insérés, là, tu n'as plus besoin de te fatiguer. Tes enfants ont réussi en Occident, là. Tu ne te fatigues plus. Vous faites quelque chose seulement funéraire. Là, c'est plus, s'il vous plaît, mais vous ne prenez plus l'assurance. Mais vous faites au moins une assurance funéraire. Tout et tout, un montant que vous gardez là, tout. Pour que, ah, moi si je meurs là, mon corps doit partir en Afrique. Ou bien moi si je meurs, mon corps reste ici. Donc, ce côté-là, on n'a qu'à revoir. On n'a qu'à revoir ça. Ramener les corps, oh, on ne va pas ramener tout ça là. Pourquoi pour nous, toujours, il y a problème dessus? Je suis déjà allé à la funéraille des Haïtiens ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème chez eux, pas en tout ici. Pourtant, c'est nous les mêmes noirs là. Mais ce côté-là, tu parles de ça. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup. Et Dorcas Tralou, merci. Mais ce côté, tu parles de ça. Tu parles de ça à tes amis africains. Mais c'est comme si. Tu parles de ça ici. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu vives ici et puis il n'y a aucune assurance. Et puis on va compter sur quelqu'un pour cotiser. Affaire de cotisation, là, laissons ça. On a qu'à, ça dit qu'on vient cotiser pour un frère juste par, ça fait plaisir, juste par plaisir. On cotise juste par plaisir pour apporter du réconfort. Merci beaucoup, Lina, pour les étoiles. Vous comprenez? Moi, je veux qu'on, c'est mon combat que je mène là, hein. Oui, hein, je fais la flash sur les trucs là. Mais dans mes messages que je passe là, il y a du quelque chose que je passe. Même si j'ai fait vidéo sous neige, à bien écouter, il y a un message que je passe dedans. Il y a un message que je passe dedans. Oui, assurance funéraire. Merci beaucoup. Les banquiers ont plusieurs propositions. Ils ont plusieurs. Oui, eux aussi, ils sont prêts pour aller manger ton argent, ça c'est sûr. Donc, il faut éviter là. Ça dit que c'est assurer encore. Oui, c'est ça. Tu t'assures trop finalement à gauche, à droite. Tu vas à l'essentiel. Hein? Comme je dis là, souvent quand ils appellent, je dis monsieur, c'est correct, j'en ai déjà. Non, madame, il y a telle option. Je dis c'est bon. La mort, c'est la mort. Si tu es. Ce qui est sûr, si je décède, aujourd'hui, je suis décédé là. Le lendemain, dans les 24 à 48 heures. Ça dit qu'il y a des clauses dedans, mais même si c'est week-end, comment on peut aller chercher quelque chose pour faire les premiers trucs? Donc, arrêtez hein, vos trucs où vous voulez venir pomper l'un dans la poche des gens. Donc, c'est ça. Imaginez-vous, tu veux qu'on t'enterre dans ton pays, tu veux qu'on ramène ton corps sur ta terre natale, et puis tu décèdes, on ne peut pas le faire. Comment tu te sens dans ta tombe là-bas? J'ai dit que où vous êtes là-bas, vous les morts, moi je suis pas en contact avec les morts, donc je ne m'occupe pas de ce que vous pensez là-bas. Mais dans la vraie vie, là, comment tu peux te sentir? Mais tes volontés là, c'est toi qui vas faire tes volontés de ton vivant. Tes volontés là, c'est toi qui vas les écrire. C'est toi qui vas bien arranger les choses. C'est ça. Mourir et puis tu es mort et puis tes enfants, ça dit que tu décèdes et puis tes enfants, c'est ça dit, il y a des morts quand tu regardes, tu vois que la vie des enfants est déjà gâchée. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc parce que quelqu'un est décédé, la vie des enfants, on voit bien que la vie des enfants a foiré. On voyait ça en Afrique. Le tonton était assis bien. Et il avait l'argent, ça moussait. Mais dès qu'il est décédé, la patatra, tout est. Ça dit qu'on voit déjà que la vie est gâchée. Parce qu'on n'a rien planifié. Ce message est valable pour même vous qui êtes en Afrique. Je vais bien. Juna Kona épouse Enjoy. Je vais bien. C'est ça. Le message est valable. Pour quelqu'un qui est en Afrique. Tu travailles bien tout et tout, mais sécurise pour les enfants demain. On n'a qu'à sécuriser pour les enfants. Excusez-moi. Tu es vivant là, tu as fait pour les autres jusqu'à là. Maribel est sur ma page ici, mon direct, elle sait. Tu as fait pour les autres jusqu'à l'heure que ça ne va plus là. On ne reconnaît même pas ce que tu as fait. Donc, autant faire pour tes enfants. Il y a des gens
ça dans une vidéo, non. Elle n'est pas une... Toi, tu es une Africaine. Oh que oui. Je suis une Africaine puissante. Mais j'ai dit que c'est pour tes enfants, tu fais d'abord. Hmm? Pour tes enfants. Tu sécurises tout pour tes enfants. Bien, bien, bien. Vous vivez, vous êtes des fonctionnaires, vous travaillez là. Sécurisez pour vos enfants de manière abeille. Sécurisez pour vos enfants. On enlève la maladie, même tu prends la voiture, quelqu'un vient te connaître, bon, tu restes là. Rien n'est sécurisé pour tes enfants. Comment tu fais? Comment on fait? Parce qu'un membre de la famille, ça dit que le père est décédé, donc la vie des enfants est foutue. Ça ne doit plus être comme ça. Ça ne doit même plus être comme ça. C'est pour ça que je vous demande de partager. Diamant Feli, Yako, si ma vidéo te fait réveiller quelque chose, Yako, ce n'était pas ça le but. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? On a l'avantage de voyager. Oui, c'est vrai. Quand on voyage, on vient, on gris gras, on gris gras. Et quand tu as eu les baisses, c'est pour ça qu'on vous dit, ça dit que structurez vos vies. Vous êtes avec une femme, vous êtes une femme, vous restez avec cette femme-là. Vous êtes un homme, vous restez ensemble. Même on peut avoir, il y a des tumultes dans la vie de couple, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais allez à gauche, à droite, cherchez ici. Vous payez là, vous envoyez au pays, à des copines là-bas, tout ça là, ça. Ça dit que ça vous renchérit encore dans votre pauvreté. Hein? Ça dit vous engraissez dans votre pauvreté là. Vous avez vos femmes. Vous ne mettez pas, ça dit que le plus là. Le plus que tu as, si ton air est trop là, c'est ta femme qui a mangé ça, c'est pas copine qui mange ça. Tout ça là, ça appauvrit. Vous faites des tout, dis tout. Hein? Vous, au Canada, on ne peut pas faire dis tout. D'abord, la distance. Et puis les vacances là, nous on n'a que 2 semaines. On te donne 2 semaines. Les autres 2e semaine là, c'est toi qui vas payer. C'est pour ça qu'on ne vient pas beaucoup en Afrique. Hein? 2 semaines, hein? Ils vont te payer 2 semaines. Donc, les autres 2 semaines là, tu vas payer ça à tes frères. C'est pour ça que vous allez voir que ici, c'est généralement aux 2 ans ou aux 3 ans. Pour ceux qui aiment aller beaucoup en Afrique, moi, je dis que je vais une fois en Afrique aux 5 ans, le reste, je parcours l'Europe. J'aime plus aller ailleurs pour découvrir. Mais vous faites des tours, sur des tours, chaque vacances, vous êtes à Abidjan, chaque vacances, vous remplissez les valises, tout ça là, ça n'avance pas. Peut-être si tu as un chantier là-bas, je te le concède. Mais tu n'as pas chantier à Abidjan. Hmm? Tu n'as pas de maison que tu construis à Abidjan. Et chaque vacances, tu es à Abidjan. Pourtant, tu as une vie de famille que tu dois rester pour essayer de consolider, pour arranger l'avenir des enfants. Mm-mm. Merci beaucoup. On doit regarder les choses autrement maintenant. Hmm? On doit regarder les choses autrement. C'est pour ça qu'elle dit que immigrants africains, on n'a qu'à se mettre dans le moule. On est venu, on les a trouvés. Comment ils font là? On n'a qu'à regarder ce qui est bon dedans. Hmm? On regarde ce qui est bon. Maintenant, peut-être le Amusingile là. Nous, on laisse ça. Mbaya Amusingile là, ça ne nous arrange pas. Ceux qui sont nés pour être comme ça, eux, ils peuvent être ça. C'est correct. On ne critique pas. Si tu es né et que tu le sens, comme on le dit, tu as ça en toi, c'est correct. Mais on trie dedans. Ce qui nous arrange, nous, on prend. Mais ce qui ne nous arrange pas, là, on laisse. Donc, les affaires de s'intégrer, vivre bien, c'est pas tout, je vais prendre. Je ne vais pas mentir. Pour dire que je vais prendre tout, je ne vais pas prendre tout ici. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça qui est la réalité. Partagez la vidéo. Je vais voir, vous êtes à combien de partages. Partagez, s'il vous plaît. Non, je suis pas d'accord qu'on va cotiser encore en ce siècle-là. Je suis pas d'accord. Moi, c'est africain, je viens venir vivre quelque part. Non, on peut plus cotiser pour quelqu'un. Mm-mm. Comprenez, quand tu partages le direct, s'il vous plaît. C'est ça. Voyez ça, voyez, revoyez un peu les choses. Ça coûte pas cher. Je me suis renseigné avec 40 euros. Oui, oui, je me suis renseigné très bien. Avec 40 euros, tu peux prendre une assurance vie. Tu n'as pas besoin d'avoir maison pour prendre assurance vie.
Tu n'as pas besoin d'avoir une maison en Occident pour prendre une assurance vie. Tu peux prendre une assurance vie, demain tu n'es pas là, c'est le montant qui revient à ta famille. Merci beaucoup, cœur pur, tu l'as fait, c'est parfait. C'est ça. Mon cher, on dit plus, le nom. Hein. Tu sais que Facebook et YouTube, là, eux, ils n'aiment pas ça. Donc, on dit plus le mot, on dit ça comme ça et puis on rient. Non, c'est ça. Vous comprenez? Moi, me faire ici. Non, il faut qu'on revoie. Revoyons. Revoyons ça. La vie. Ça dit que la vie est tellement. Ça dit, moi, je dis que. En Occident, tout est réuni. Ça dit, tout est réuni pour que tu vives tranquille. Tout est réuni. Si tu n'as pas les baisses, je comprends. Ce n'est pas facile. Tu n'as pas les baisses, je comprends. Mais si tu n'as pas les baisses, on ne va pas dire on ramène ton corps. Je suis contre ça. Tu n'as pas les baisses, qui va ramener? Hein? Mon gars, magasin, gros, quoi. Qui va envoyer le corps au village? Non. Voilà. C'est pas mes frères bêtés seulement. Nous, ça dit que tout. Ça dit, ils sont nombreux. Ils sont nombreux là-bas. Je vous le dis, quand je le dis souvent, vous voyez comme si c'est du dédain, tout et tout. Bon, tu es jaloux des gens qui sont en France. Jaloux des gens qui sont en France. De quoi? Mon message est pour tout le monde. Mais là-bas, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes trop proche d'Abidjan. Mais le fait que vous allez toutes les vacances à Abidjan. Je ne sais pas à quel besoin ça répond vraiment. C'est quoi? Chez vous même là, il y a les sauces graines authentiques même, il y a manger authentique. Donc, c'est quoi? L'ambiance, c'est l'ambiance qui fait que chaque année, vous vous soulevez, vous partez à Abidjan, vous dépensez là-bas tout, et vous revenez. Non! L'argent que tu prends chaque année pour aller à Abidjan matin, midi, soir, là, mais planifie ta vie où tu es. Arrangez vos vies. Je dis parfois quand il regarde, il y a d'autres que je vois, vous allez juste voyager. C'est ça. Vous allez juste voyager, mais vous n'êtes pas encore. Ça dit, on ne peut pas, même pas vous considérer comme des immigrants. Pas pour que tu sois considéré, il faut que tu sois intégré. Mais vous avez un problème d'intégration. Tout ce que je suis en train de dire, ça fait partie de l'intégration. Partagez le direct, mes personnes. Partagez. Ah, il y a pour 10 euros par mois. Tu vois, ça, c'est des informations qui sortent. Peut-être que des gens ne savent pas. Peut-être que c'est pour ça que je vous demande de partager des vidéos comme ça. Peut-être que les gens ne savent pas que ça ne coûte pas aussi cher que ça. Voici quelqu'un qui entend, il me dit en Angleterre, avec 10 ou bien 15 euros, tu peux prendre une petite assurance. Vous comprenez? Revoyons notre façon même de réfléchir. C'est moi, il te dit, c'est quoi le thème? Sainte Anne tapée, toi tu es venu, moi je te dis c'est quoi le thème, pourquoi partager? Faut pas faire des sens sur toi. Faut pas faire ça. Et puis quand vous finissez de mettre vos commentaires stupides là, vous mettez des rires là. Moi je trouve pas ça drôle, pas en tout. Ok. Et donc c'est ça. Vous comprenez? la réalité elle est là, merci beaucoup. Oh. Non! Dani, comment va? Merci. Non, il faut qu'on revoie. Il faut qu'on revoie. Oui, les assurances funéraires, ça existe. C'est ce que quand je parle dans mes vidéos, et puis je parle de comment on appelle ça, arrangement funéraire, tout ça, ça est dedans. C'est ça. Je ne peux pas aller tous les jours à Abidjan. Il y a tous les Abidjan où quand tu t'en vas, ça coûte cher là. Quel que soit ton séjour à Abidjan, ça t'est revenu cher. Je suis allé, ça fait combien d'années je suis là? Je suis allé une fois, j'ai fait mon expérience. Je suis revenu là. J'ai dit les prochaines destinations, c'est l'Europe, les États-Unis. Future destination, l'Australie. Que je vais aller visiter. Ça me revient moins cher. Ça me revient moins cher. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine. L'Afrique, c'est mon continent. Donc chaque année, j'allais comme ça. Tu arrives là-bas, tu as donné l'argent à l'autre, il s'attend à un cadeau. Tu as donné cadeau à l'autre, ça dit qu'on veut l'argent du beurre et le beurre en même temps là-bas. On a toujours dans l'esprit que
tout le monde est riche ici en Occident, que tous les Whitey sont riches. Tu vas dans la tête de qui tu vas enlever ça là-bas? J'ai un de mes petits ici, son père, un Whitey. Je jasais avec son père devant la porte ici un été. Et puis je lui ai dit, oh, ben est-ce que tu penses, tu sais que dans mon pays, on pense que tous les blancs sont riches? Il a fait ça. Il a dit, il a failli tomber à la renverse. Il a fait ça. Quoi, Monique? Pour de vrai? J'ai dit, ben oui, on pense que vous êtes tous riches ici. Il me dit, ben voyons donc. J'ai dit, oh que oui. Il dit, mais comment on peut penser ça? Il y a des itinérants, il y a tout. J'ai dit, ah, il faut aller nous expliquer ça là-bas. Parce que nous, on a expliqué, mais ça ne passe pas. Parce que c'est l'image qu'on projette dans, depuis vos télévisions. Et puis aussi, nos parents qui étaient venus avant, ils avaient fait comme si l'argent se ramassait. Il s'est dit, oh boy. J'ai dit, oh que oui. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est là. Il a dit, oh boy. À qui tu allais dire alors que tous les blancs sont pas riches ici? À Bignan, mais tu n'as pas l'air, tu ne peux pas vivre là-bas. C'est la même chose partout. En tout cas, blanc n'a qu'à leur expliquer. Peut-être quand blanc, leur baba va leur expliquer, ils vont comprendre. Mais moi, j'ai expliqué. Ils ont dit que le monsieur, il a tiqué pour qu'il tombait en arrière. J'ai dit, c'est ça qui est là. À qui va leur dire, nous, on n'a pas on n'a pas écouté. On nous a dit que c'est bien, nous, on est ici qu'on dit ça. Donc, il faut payer le transport. Tu vas aller leur dire ça là-bas. Mais Julien, tu appelles, tu regardes, tu appelles, comment on appelle ça, des assureurs. Ça dit, tu dans votre allemand, là, sur le site, là, tu vas voir assureur. En tout cas, ici, c'est facile. Non, mais c'est ça. Il faut y penser. Il faut y penser vraiment. Tu es un Africain, tu vis en Occident, tout et tout. Il faut penser, oui, le pérou coule le lait, le miel, et puis ça ne chauffe pas. Merci beaucoup, Ruthine Taguine Babakayoko. Tu es la soeur de ma chérie, moi, Babakayoko. Ma Bakoyoko, c'est ma personne. Non, mais c'est ça. Tout ce que moi, écoutez-moi, c'est de partager le direct. Partagez-le. Ça n'a pas d'allure. Vous tapez seulement sur Google Assurance. L'assureur avec lequel tu vas parler là, si ce n'est pas le bon, il va t'envoyer dans le département. Tu expliques, je vais tant. Il va t'envoyer dans le département qu'il faut. Ou bien même, tu peux demander à ta banque. Dans les banques, il y a toutes sortes d'assurances dans les banques partout. Donc, ne soyez pas en Europe et puis vous allez vivre comme si on est au campement. À Mangrogri, on n'est pas au village ici. À Mangrogri, on n'est pas au village. C'est au village on s'est levé et puis on dit que Malagote, ça y est dans la main de Dieu. Non, ici, non. À Mangrogri. Je devais recevoir une soeur ici il y a comme deux ans de cela. Elle venait pour deux semaines et puis après ça, elle allait aux États-Unis. Je lui ai dit, ah, elle a pris tout visa, tout. Je lui ai dit, ben, il te faut une assurance pendant que tu es chez moi. Non, ma soeur, on s'en va aux États-Unis après. Je lui ai dit, oui, même si c'est un jour. Ma chérie, même si c'est un jour. Parce que tu peux glisser devant la porte ici. Il n'y a même pas de neige. Tu as glissé devant la porte ici, là. Parce que le papier que je lui envoyais pour faire le visa, on demandait si par exemple, elle arrive. C'est pas le papier. Oui, la lettre d'hébergement. Voilà. Quand je suis partie chez la notaire pour me faire la lettre d'hébergement, elle demandait si elle vient pour son séjour. Roland Balédé ou Malassa Nenya, à Mangrogri, on n'est pas au village ici. Dans la lettre là, il faut que tu prennes une assurance, tout et tout. Quand on dit, ah non, ma soeur, de là, quand on a. J'ai déjà eu le visa pour les États-Unis, en fait, c'est pour le Canada là. On va passer là, j'ai dit, hein, j'ai compris. J'ai bien compris. Mais ça te prend une assurance pendant que tu es de passage ici. Ma chérie, si tu es tombé ici là, on va te demander, parce qu'on sait que tu n'es pas canadienne, on va te demander la couverture sous laquelle tu es venue. Donc c'est moi la couverture. Elle dit, aïe, donc là-bas au Canada c'est compliqué. Elle dit, ma chérie, c'est ce qu'elle t'a dit. Oh. Ça dit que pendant qu'on est en train d'aller prendre tes données à l'aéroport pour que tu viennes ici, tu as déjà une assurance quand tu rentres chez moi.
Ça, c'est des choses aussi simples que je vous explique. Parce que vous le faites souvent en Europe, partout. Vous recevez des gens chez vous. Vous ne prenez pas des assurances. Mais si quelque chose arrive à la personne chez toi, tu fais comment? Il a dit que partagez le direct. Partagez mes personnes. Partagez. Mais quand elle est venue, et puis elle l'a vu, effectivement, elle est venue, hein, elle a bien fait ces deux semaines. Et puis je lui ai dit, avant de prendre tes vacances là, elle me voit comme, Moni, j'ai dit, compliqué. J'ai dit, je ne suis pas compliqué. C'est le système qui le dit, c'est pas moi. J'ai dit que quand vous voulez prendre vos vacances là-bas, non, j'ai déjà pris mon billet d'avion, tu as pris ton billet d'avion. Est-ce que moi, tu as calculé ma disponibilité? Tu viens, hein, mais moi, je ne laisse pas mon travail pour aller me promener avec toi. On n'est pas à Oumé ici. Hein, Marival, on n'est pas à Oumé. J'ai dit, oui, il faut que on fasse ensemble. La période où je suis disponible, tout et tout, on va voyager, on va partir à Toronto. Là, il n'y a pas de problème. Ma chérie, je me mets à ta disposition. Mais tu ne prends pas ton billet d'avion selon... Parce que toi, tu as dit non, c'est là que ça coûtait cher. Ok, c'est correct. Tu as eu le billet un peu moins cher, mais moi, je ne laisse pas mon travail. Comment je fais si je ne suis pas en vacances? La Vendolaise de Côte d'Ivoire français avec un peu de BT. Toujours, il y a BT dedans. Mais c'est quand elle est arrivée maintenant, le séjour a été tellement agréable. Elle m'a sorti une fois. Vous êtes organisée ici, hein? Parce qu'elle était déjà partie ailleurs. Elle a dit, ah, je comprends. Vous êtes vraiment organisée. Oui, ma soeur Francine, bah, tu dis que tu viens en vacances chez moi. Tu n'as pas de même ma disponibilité dans mon travail. Et tu as pris le billet d'avion. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas rester pour rien à la télévision. C'est quand moi j'ai fini mon travail la nuit, peut-être on allait se promener. En ce moment, il n'y avait pas encore couvre-feu, il n'y avait pas encore COVID. Donc, c'est ça qui est là. Donc, il y a tous ces éléments-là. Les gens qui sont de passage chez vous, faites-leur prendre des assurances, même s'ils viennent en vacances pour une semaine chez vous. Parce que quand quelque chose arrive là, la personne n'est pas reconnue dans le système. C'est toi qui es reconnu. Vous comprenez? Pays où tu appelles le 911, on dit c'est gratuit, mais après on t'envoie une facture. Après on t'envoie une facture. Parce que ça dit que quand tu tombes sur la route là-bas et puis on vient te chercher dans ta maison, c'est deux entités différentes. J'ai dit que ce qu'on ne paye pas au Canada, c'est l'air que tu respires avec l'eau. L'eau est gratuite, mais l'eau c'est juste, comme on dit ça, une petite taxe. Au Canada, au Québec, on ne paye pas l'eau. Mais on paye l'eau chaude. Hein? Payez. Mais ne venez pas me contredire ici. C'est l'électricité qu'on paye, ce n'est pas l'eau. C'est ce qu'il a dit. Au Canada, on ne paye pas l'eau. Donc, ce n'est pas moi qui suis compliqué. C'est le système dans lequel je suis venu. Je me suis ajusté au système. Mais quand elle est venue, elle-même, elle a dit, j'ai passé l'un des meilleurs séjours. Donc, j'ai calé un vendredi, tout et tout, on a fait le tour, je l'ai envoyé à Toronto, je l'ai envoyé à Québec, à Ottawa, tout. J'ai dit, ma chérie, même si c'est pour conduire ici pour aller aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que je ne laisse pas mon travail pour aller me promener avec toi. Donc, c'est ça. C'est mon travail qui va me permettre de payer mes factures. Donc, c'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est des gros risques qu'on prend souvent. On reçoit du monde à la maison qui ne sont même pas assurés. On mange, on rit, on cause les anciennes causeries. La personne est rentrée dans la maison le soir. Elle se plaint. Ah, j'ai mal ici. J'ai mal ici. La personne en train de dire j'ai mal là. Tu as envoyé à l'urgence. Tu t'en as à l'urgence. On dit de sortir la carte. On dit de sortir la carte. Maintenant, il n'y a pas carte d'assurance privée. Ça dit le séjour va devenir amer. Le séjour va devenir gnangnang dans votre bouche. Voilà. Donc, les assurances, il faut y penser. J'avais fait combien de minutes, s'il vous plaît, mes personnes? Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Wow. Dites-moi le temps, si ça fait déjà 30 minutes passées. Merci. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci pour les cœurs. J'ai le temps et puis bon, je vais couper le direct. Je vais couper le direct, aller chercher la banane pour faire un peu d'aloco pour la maison. Et... Kala,
Kala. Excuse-moi. Hein? Pardon, tu es au courant? Ah, mais je t'ai pas vu sortir de la chambre. J'ai pensé que tu dormais. Excusez-moi. Ok. Bon, 58 minutes, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu peur. Je croyais qu'il va dormir. Ok. Ah! Hein, je suis comme ça. Je suis comme ça, mais j'ai déjà dit. J'ai dit que les gens qui sont au Canada, ne me provoquez pas. Hein? Ne me provoquez pas. Ailleurs, ils n'ont qu'à faire. Ce n'est pas mon problème. Hein? Ailleurs, je m'en fous. Je m'en fous. Mais ici, hein? Bon, mes amis, ça fait déjà eu presque une heure. Je vais vous laisser. Parce que j'ai déjà tout dit. Pensez aux assurances. Même votre banque. Demandez à vos banquiers là-bas. Vous allez trouver la solution. Les gens qui viennent en vacances chez vous, exigez des assurances. Partagez mon direct, surtout pour cette information. Hein? Pas. J'ai dit, et dans cette assurance-là, ils avaient. J'ai dit que les Whitey sont pas bêtes. Dans cette assurance où j'avais pris pour la soeur qui demandait la lettre d'invitation, ils ont mis la clause. Si quelque chose, au cas où survient un décès. Ah, moi aussi, je suis là, il y a le roi. Il dit, ah, quelqu'un est venu en vacances chez toi, parler des décès, tout ça. Il dit, ah, il faut lui dire. Tu comprends? Oh, et si survient un décès, on dit quelqu'un vient en vacances, on dit au cas où survient un décès. Ça, c'est dur pour les Africains. Ça, là, dans le mind de nous, les Africains, dans leur mind, c'est trop dur à supporter. Mais, on nous a expliqué clairement, je lui ai expliqué, il a dit, ah, c'est apprendre ou à laisser. Demande à ta banque. Merci beaucoup, merci pour tout. D'accord, tout de suite, il y a WhatsApp là. Je vais charger tout de suite et puis je te réponds. Merci. Généralement, je ne réponds pas la journée. Parce que la journée, vous répondez encore, ça devient long. Je vous réponds la nuit. Donc, je vais vous répondre. Sur ce, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Ciao, ciao. Au revoir.